première nuit. Première nuit sur la route du Rhum. On a bien... bien attaqué. La sortie de manche a été vraiment dure. Le coup de virement de bord, c'est un peu une manœuvre très, très violente. Je m'en sors pas trop mal, surtout que j'ai été malade cette nuit. Une indigestion. J'ai pas le mal de mer pour une fois. Et là, je reprends des forces, mais j'ai pas pu manger. Donc voilà. L'ambiance. Finalement, il n'y a pas trop de vent pour l'instant. Et c'est, ça fait du bien ce matin. J'ai bien dormi. Je sais pas combien, j'ai dormi beaucoup. Ouais. Voilà, bah, et c'est une bonne première nuit. Et puis, il y a beaucoup de routes et c'est compliqué devant. On ne sait pas encore exactement où on va passer. Donc, il y a deux options qui se dessinent et c'est pas simple. Voilà, bonne journée à tous. Voilà l'ambiance. Ouais, c'est mieux que si on était parti dimanche, mais devant c'est musclé quand même. Voilà. Bienvenue à bord de la Michelin. On a fait une première nuit tonique avec beaucoup de virements de bord dans les cailloux, tout ça et tout ça. Après, arrivé à Ouessant, il était l'heure de prendre des décisions. Donc, je suis parti à l'ouest. Il y a Greg Soudé qui est juste là. Benjamin Ducreux, il est un petit peu devant. Il y a également Conrad Coleman qui est là. On est 4-5 bateaux. Voilà, c'est un peu comme prévu quoi. Donc, voilà. Au près, face aux vagues, ça tape. Et c'est pas fini. Alors ce matin, il y a un truc important. Premier repas chaud. Gros petit déj, banana bread. Un cappuccino, on va prendre des forces. Alors je vais montrer dehors comment ça se passe. Voilà comment ça se passe dehors. C'est gris bleu, bleu gris, mais le bonheur est là, c'est marqué. Voilà, il y a des cargos qui sont passés. On voit là-bas le cargo. Voilà. Et il y a du soleil un peu. On va en profiter. À plus tard les amis. Bonjour à tous, c'est jeudi après-midi sur Initiative Cœur, tu vas bien, je suis dans le sud de la flotte, c'était mon choix, et là il fait plutôt beau temps, ciel bleu, belle mer, auprès donc face super rapide, face au vent, face à la mer, pour sortir du golfe de Gascogne, vers le sud-ouest.
Tu roules, hier c'était magnifique le départ, super coucher de soleil à Cap Fuel. Un peu pas assez de vent, j'étais pas super sur ce premier jour, mais la route est très très longue encore. Mais en tout cas c'était vraiment bien, très fatigant hier nuit, avec tous les bateaux autour, beaucoup de manœuvres. Mais là aujourd'hui c'est plutôt tout droit et j'ai déjà fait quelques siestes. J'ai bien mangé, j'ai bien dormi, pas assez encore. Et tu roules sur le bateau et ça fait du bien d'être enfin parti sur la route demain. À demain! Les petits croisements entre Imoca, c'est serré. Bon bah c'est notre premier jour là, entier sur la route du Rhum destination Guadeloupe à bord de Hublot. Tout va bien, on a une nuit quand même un peu froid. Sport compliqué, beaucoup de manœuvres, très très sympa, beaucoup de bateaux autour, donc c'est hyper joli mais c'est très stressant. Tout se passe bien, j'ai l'impression que tout le monde prend un peu la même option stratégique pour le moment. Donc on vient de croiser Conrad, ça c'est cool parce qu'il a fait un départ, un super début de course. Donc nous on a réussi à recoller un peu le paquet, ça c'est vraiment chouette. Donc voilà, on lâche rien.